Caméra. Une nouvelle forme d'opération est en train de se mettre en place. Monsieur Clone a laissé tomber ses minettes et se lance à corps perdu dans un nouveau défi. Social. Grève générale chez Black & Decker. La grogne s'est installée dans la société Black & Decker. Depuis la mise en place d'une nouvelle équipe sous la direction de Monsieur Fast Freddy, les conflits ont repris de plus belle. Terrorisme. Malgré les nombreuses invitations aux meetings lancées par Alberto et les repas gratuits qui leur font suite, l'homme au gilet gris n'a fait que de très brèves apparitions. Merlin repris par la force. Il n'y aura bientôt plus de toile d'araignée dans les locaux mérinois. Un coup de balai efficace vient en effet d'être donné. À nous deux, le désert. Une interview exclusive de notre envoyé spécial, Claire et Nett, alors que les randonneurs sont prêts au départ. Le Baron Noir. Jusqu'où l'insomnie peut-elle mener? Ou l'aventure d'un opérateur qui est allé jusqu'au bout de ses forces? Franco nous a-t-il tout dit? Et si l'on vous disait que les chiffres d'affaires n'ont rien à voir avec les bénéfices redistribués aux employeurs? Pour présenter le journal de l'actualité, notre invité de marque, le monsieur Le Petit. Bonsoir, monsieur Le Petit. L'opération sous caméra. Nous avons appris de sources sûres que désormais il n'est nul besoin d'opérateurs de style Jean-Michel Jarre pour assumer la bonne conduite de la production des 3000. Grâce à l'initiative féconde des cerveaux penseurs, le tout nouveau matériel va être remplacé par un œil infaillible qui a pour nom caméra. Fini les défaillances humaines. Social. Grève générale chez Black & Decker. Les employés de cette société se sont mis en grève pour protester contre l'automatisation de leur travail. Nous avons en ligne notre envoyé spécial, Claire et Nett. À vous, Claire et Nett. Chers téléspectateurs, ici Claire et Nett, le ancien de Dieu. J'ai en face de moi le représentant de l'éclair de Blanc et l'éclair. Oui? Pourquoi vous faites grève? Ah, nous sommes besoin de meilleures conditions. Est-ce que les conditions de quoi? Sont de quoi? C'est un petit peu plus de sous. Un peu plus de sous? Des sous, mais pourquoi les sous? Ah, pour tout, tout a augmenté, j'ai besoin de sous. Mais c'est quoi que vous êtes suisse? Ah, nous n'avons pas la nationalité. Aucune nationalité, vous représentez quel syndicat? Quel syndicat? Vous êtes chez Black & Decker, vous êtes la CGT? CGT, oui. CGT. CGT, CGT. Combien d'heures de travail vous faites par semaine? 56. 56, le samedi et dimanche? Oui, 5 inclus. Moi, inclus. Vous travaillez assis ou debout? Debout. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde le monde. Bon, chers auditeurs, c'est ici que nous avons eu le représentant de la CGT, Jacques Pellecker. À vous le studio Cognacé. Merci. Nous sommes toujours sans nouvelles de l'homme au gilet gris, enlevé à l'affection des siens depuis le cocktail de la goulette. L'enlèvement n'a toujours pas été revendiqué, mais on soupçonne le groupe Traction Direct d'être à l'origine de cette disparition. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est qu'aucune demande de rançon n'a été formulée. Son absence est passée jusqu'ici inaperçue, et nous n'avons qu'un souhait à formuler à ceux qui le détiennent. Gardez-le! Les derniers bastions sont enfin tombés. En effet, l'ex-grec ayant voulu agrandir son empire, a pénétré dans les locaux mérinois
et on a délogé les derniers squatters. Cela n'a pas été sans mal, car la place est... Perrin repris par la force. Les derniers bastions... Oui, je vous disais donc, car la place était défendue par le vieux carré des mécanographes à cartes. Plus rien ne s'oppose désormais à loger dans des locaux salubres et propres les derniers arrivants et à les intégrer à la grande famille qui est la nôtre. Le départ du Paris-Dakar a été donné hier matin et sur ses traces se sont élancés le brillant équipage sponsorisé par Meister Proper. Le véhicule a été équipé pour la longue randonnée et nous avons pu, juste avant le départ, interviewer les deux courageux pilotes. À vous, Claire et Nette. Madame et Monsieur, bonsoir. Je me trouve actuellement dans l'hélicoptère de notre compagnie. J'aperçois un valeureux concurrent. Nous allons essayer de nous atterrir tout près de lui. Fois de neuf. Mais encore, comment se passe le voyage? Le matériel est bon? Le moteur marche bien? Les cieux. Merci beaucoup. Chère Christine, à vous l'antenne. Encore une nuit d'angoisse. Le baron noir a de nouveau survolé la console du Rautz. N'arrivant pas à trouver le repos bienfaiteur, ignorant totalement les nuits de plaisir des clubs genevois, il a préféré s'acharner aux commandes du pupitre. Ce n'est qu'au matin qu'il a demandé grâce, tout en affirmant qu'il ne tiendrait pas compte des heures supplémentaires passées pour son plaisir. En voyant sa mine défaite, son œil glauque et sa langue chargée, le seul responsable matinal lui retira son brevet de pilote. Désormais, il vole de ses propres ailes. La compagnie Hewlett-Packard a battu tous les records de vente et de chiffre d'affaires depuis sa fondation dans un garage. Pour remercier ses employés, la direction vient d'annoncer un record à la baisse. Profit sharing. Agréable soirée en notre compagnie. Ne quittez pas l'antenne pour suivre notre page météo. Mais auparavant, je voudrais remercier notre cher monsieur Le Petit pour avoir activement participé à notre journal télévisé. Bonsoir monsieur Le Petit et merci de nous avoir prêté assistance.
Aujourd'hui, les préservatifs préservent de tout, même du ridicule. Trop petit. Trop grand. Trop gros. C'est pas typé. C'est parfait. Messieurs, nous sommes aujourd'hui le 20 décembre et nous allons voir tout de suite la carte du temps actuellement sur l'Europe. Alors, vous voyez des zones de basse pression, des zones de haute pression. Il va y avoir du vent, de la neige, du mauvais temps pour le 21 décembre. Que un cyclone d'une rare intensité s'est déplacé d'Israël, qui a longé la côte libanaise. Il s'est arrêté un instant en Tunisie, puis il a remonté sur la France et il s'est arrêté ici par là, là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, là vers la Suisse, sur le lac Léman. Il a eu son passeport et un dimanche matin, figurez-vous mesdames et messieurs, il y a eu un accident. Et alors là, je ne vous dis pas les dégâts, les opérateurs qui étaient en charge ce dimanche-là sont revenus pour réparer les dégâts. Et d'ailleurs, on a appelé ce cyclone Fernande. Je profite justement d'être en direct pour vous dire que je commence à en avoir ras-le-bol de présenter tous les soirs de la météo, alors que j'ai des tas de choses intéressantes à vous dire. Et puis, effectivement, passer entre la foire et le fromage, comme ça, entre le journal et la publicité, ça me plaît pas du tout. J'ai des tas de trucs intéressants à vous dire sur la météo, par exemple. Je vais vous citer... Oh là, pardon, excusez-moi. Je vais vous citer un petit truc de Prévert. Il faut être très poli avec la Terre et avec le Soleil. Et par exemple de Lamartine, et c'est pas mal non plus, qu'importe le Soleil, je n'attends rien des jours. Ah, il était pessimiste celui-là, moi aussi avec mes moustaches. Excusez-moi. Voilà, je vais vous parler aussi de Maupassant. Maupassant qui a dit « L'homme qui aime normalement sous le Soleil adore frénétiquement sous la Lune. N'est-ce pas beau ?» Ensuite, le soleil se lèvera à l'est. Je vous signale, si vous regardez Bouzoulou, vous verrez, demain c'est la pleine lune. Et puis demain aussi, nous fêtons les enfoirés. Bonne fête à tous! Flash de dernière minute. C'est devant le mur des lamentations que se termine à l'instant la longue et inanimée conférence. Le petit coin de l'année qui n'arrête pas de grandir, tiens bon ta chaise, grand coin, nous a laissé méditer sur cette bonne parole. Car voyez-vous, chaque jour d'objectif davantage, aujourd'hui plus qu'hier, mais bien moins que demain. Tous les participants de cette conférence ont déjà quitté la salle. Ah, mais je vois venir à l'instant un dernier participant qui va essayer de nous livrer ses dernières impressions. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Qu'avez-vous pensé de l'atmosphère de cette conférence ? Atmosphère, j'ai la tête comme une lessiveuse, ils m'ont gonflé. Je vais vous dire, ça fait 10 ans que j'entends les mêmes objectifs et 10 ans que c'est toujours les mêmes objectifs. Alors je commence à en avoir assez. En plus, on attendait une jeune fille, et puis c'est un certain Fernand, je sais pas, enfin Fernand quoi, qui a causé. Alors je suis un peu blousé. Et que pensez-vous quant à l'issue de cette conférence ? Très bien, on a des bons objectifs pour l'année prochaine, comme l'année d'avant. Donc tout va pour le mieux ? Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Je vous remercie, monsieur. À vous les studios pour la suite de notre journal. Ici le Studio Dieu, merci Chantal O'Crinte. À vous le Studio Dieu avec la remise de prix de l'émission de chaque soirée. À vous. Marketing Manager, Technical Marketing Manager. Serge Boulet, Operator. Michel Burnand. Et Marcel Clavet de Cher. Julien Beunier n'a
pas ces chers, elles sont en Belgique. Ah. C'est le pays qui les reçoit. Hein. Ah, c'est vrai? Bon, c'est dommage. Après, alors, félicitations. Merci. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Michel, félicitations. Alors maintenant, c'est la remise des prix à Jackie. Voilà. On aperçoit Singapour. Non, en train de chercher le prix. Alors, encore une fois. Encore deux fois. C'est... Alors. Voilà. Félicitations. Voilà les fleurs, voilà les cadeaux. C'est ça? Les chaises. Ok, très bien. Alors, félicitations. Voilà, il est beau. Voilà. N'oubliez pas, opérateur sans frontières. Plaisir. Merci beaucoup. On va faire la photo? Chantal Ukraine, qui a eu le 7 d'or. Chantal. Je vois en bonne forme. Alors, faisons nos photographies. Profitons-en. Voilà. Ah, félicitations beaucoup. Voilà. Et le pédigré d'Antenne 2. Elle est arrivée sans une gamine. Elle semble encore une gamine, on peut dire. Alors, qu'on conserve bien. Oui, oui, ça vient. Bon, elle a fait aussi. Vous avez commencé comme secrétaire, je pense. Après, elle a eu les bugs de l'informatique. Elle est montée d'un étage. Hein, et elle nous a aidé tous, je pense, à utiliser mieux l'informatique. Merci, merci beaucoup. Oui. Et le dernier titre, c'est instructeur. Hein. C'est ça. Oui. Ouais. Mais vous êtes beaucoup plus que ça. Vous êtes un coach, je crois. Merci beaucoup. Merci.